Ce métier, tout simplement, moi qui ai voyagé sur pas mal des coins de France, j'ai vu que les bars à vin prenaient de l'ampleur et je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Donc je suis parti avec un franchiseur qui est Dom Zébulon, qui a ouvert quelques franchises en France, dont la mienne qui est la deuxième. Et voilà, puisque c'est un produit très, très agréable où on peut échanger énormément sur ce produit. Donc je me suis dit, le Grand Ouest, j'aimais bien. Et donc ici, il fait bon vivre. Et voilà, j'ai choisi Saint-Nazaire tout simplement. Mon bar à vin propose une cave. Et cette cave propose plus de 80 références de vin de toutes les régions de France, mais aussi de l'étranger. Et donc on passe par la région de Bordelaise, par le Rhône, du sud-ouest, du sud-est. Voilà, il y a une belle gamme de vins qui est proposée, mais aussi qu'on peut déguster également au bar. Alors ces vins, on peut les déguster également à la demande, au verre, pour pouvoir bien l'emporter chez soi et se faire plaisir. Le vin essentiellement, mais il y a aussi également le bar à vin Dom Zébulon propose aussi des softs, une gamme assez large, hein, quand je dis soft, coca, jus de fruits, etc. Mais aussi des bières, hein. Donc j'ai une gamme, je dirais, assez large pour donner le choix au client de choisir avec de la bière blanche, la bière ambrée, de la bière brune ou de la blonde avec des différents degrés. Et de ça, donc là c'est de la bière bouteille, mais j'ai aussi deux pressions également que je propose à mes clients. Donc ça, c'est comme le vin, ça vivra toute l'année en fonction de la demande de la clientèle et ça évoluera comme ma cave à vin. Le bar à vin, le Dom Zébulon, propose également un système de bocaux repas que vous pouvez prendre sur place. Ou sinon à emporter également comme le vin, hein, tout simplement. Sinon j'ai des systèmes de planches, de charcuterie, de fromage, mais aussi les huîtres. Alors comme je disais tout à l'heure, les bocaux repas, ça passe du dessert au repas et également aussi à l'entrée aussi. Donc il y a un choix relativement important et des bocaux de grande qualité. Le bar à vin Dom Zébulon propose un service supplémentaire qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, la pizza. Donc je travaille avec une pizzeria de Saint-Nazaire qui me livre les pizzas sur commande. Donc les clients me commandent la pizza et puis la pizza est livrée. Bien, ils viennent la consommer ici autour d'un verre de vin, voilà, entre amis, ce côté convivial qu'on peut avoir dans ce bar à vin Dom Zébulon. Le bar à vin Dom Zébulon, je l'ai fait un peu à mon image et c'est ce que les clients ressentent quand ils rentrent ici, c'est le côté cosy, le côté convivial, la sérénité et puis surtout quand ils repartent, c'est ce qu'ils disent, ils se sentent chez eux puisque je communique énormément, tout ça, il y a ce côté convivial qui est là. Et en plus, ce que je peux leur apporter et ce que je leur donne avec l'association Shopping Saint-Nazaire, c'est des points de fidélité et ils peuvent venir avec des chèques cadeaux pour pouvoir consommer, offrir des cadeaux, des bouteilles de vin, etc. Donc ils ont un choix et un plaisir, une petite valeur ajoutée pour la clientèle. Et ce qui est important aussi, et ce que je voulais signaler aussi, c'est ce que je fais des rencontres de dégustation, vente avec des vignerons indépendants, des récolteurs. Et puis je vais lancer très très bientôt une initiation vin pour les gens, parce qu'il y a énormément d'amateurs qui aiment savoir ce que c'est le vin, le tanin, les arômes, etc. Donc il y aura une première session qui va être créée dans ce bar à vin Dom Zébulon. Et puis pour finir aussi, il y a aussi un petit côté musical que je fais, donc qui va aussi avec le bar à vin. C'est de la musique, je dirais, d'ambiance acoustique. Guitare, chant, mais qui va avec l'image du bar à vin.
Dom Zébulon, ce côté cosy et puis convivial. Voilà. Donc il y a un échange aussi musical avec ma clientèle et les gens qui viennent jouer au bar à vin.